We aim to please here, folks. This is Raw. Thanks for joining us. This is Raw. Coming to you live from Hotlanta, deep in the heart of the South. We are live from the beautiful city of Atlanta, bringing you all the action. Don't change that channel, because we've got some epic WWE action. Et du coup, les matchs d'aujourd'hui. Charlotte contre Bayley, Cesaro Sheamus contre les Brothers of Destruction, The New Day contre Enzo et Cass. Un triple threat entre Carmella, Nia Jax et Dana Brooke. Un fatal 4-way pour le Cruiserweight Championship, pour le Number One Contendership, parce que Rich Swann c'est le champion. Entre Neville, TJP, Austin Aries, Jack Gallagher. Un six-man pour le Intercontinental Championship. Voilà, Apollo Crews n'est pas dans le show d'abord. John Cena, Braun Strowman, Dolph Ziggler, Chris Jericho, Zack Ryder et Rusev. Et le main event, c'est un triple threat entre Kevin Owens, Samoa Joe et le WWE Universal Champion, Brock Lesnar. Du coup, Charlotte bat Bayley, Cesaro et Sheamus battent les Brothers of Destruction. Décidément, cette équipe n'est pas du tout très très forte. Hein. Je pensais qu'ils allaient défoncer tout le monde, mais apparemment. Enzo et Cass ont battu New Day, et Dana Brooke a battu Ajax et Carmella. Et du coup, c'est parti pour le premier match, c'est pour les Cruiserweights. Alors, c'est plus Three Weeks Away, pardon. Pardon. J'ai complètement oublié ce détail. C'est Two Weeks Away. J'ai complètement oublié ce détail. Des arènes. J'ai complètement oublié. Du coup, il va falloir que je mette 10 Sunday, hein, parce que ouais, la prochaine fois sera déjà le dernier Raw avant Battleground, les gars. J'ai déjà un pay-per-view dans deux semaines. On n'est pas compte comme ça passe vite. Et cette semaine, c'est Payback. Ok. Ok. Mais lui aussi, il y a des trucs de Chris Jericho. Austin Aries. Austin Aries. Tuning in, we are moments out from Fatal 4-Way action. Oh, Fatal 4-Way, that may be my favorite. Neville, the king of the cruiserweights. And from Manchester, England, weighing in at 167 pounds, Jack Gardner. This Fatal 4. Et Jack Gallagher. Et du coup, c'est parti, qui sera adversaire de Rich Swann à Battleground? La première fois que le titre Cruiserweight sera défendu. Mais défendu, hein, du bien. Je ne dis pas mise en jeu, parce qu'il a déjà été mis en jeu, sinon Rich Swann ne serait pas champion. Bien sûr, oh, ah oui, hein, bien sûr, ce n'est pas la reine Cruiserweight, c'est la reine Raw. Hein. Bon, pourquoi d'abord il appelle la reine Cruiserweight?
C'est Raw ou c'est Cruiserweight? Franchement, c'est Raw. À la limite que vous mettez un Raw violet, ok, mais pas un juste un Cruiserweight. Un Raw violet, punaise. Mais que ce soit que ça dise Raw. J'espère que l'année prochaine on aura un espèce de combo, qu'on puisse faire un combo entre le Raw et Cruiserweight. Ça, ça pas de façon, je suis pressé de l'année prochaine avec la nouvelle ère. C'est sympa. C'est le premier jeu où on sait vraiment que la nouvelle ère existe. L'année prochaine. Wow. Il avait les pieds par-dessus la barricade Sinarise. C'est d'abord défoncé par le roi des Cruiserweight. L'armbar. Attention, Jack Gallagher. Backbreak. Il a enlevé le truc du coin. Et Austin Aries. Wow. Ce Atomic Drop. Oh, attention. DDT de TJP. Alors limite, je le ferai. Non, pardon. Wow. Wow. Il était passé derrière la barricade, le mec. Eh, le chien, tais-toi là. Ah, je peux pas le faire en deux manches en fait quand j'y pense. J'aurais dû te faire la semaine dernière. Parce qu'il y a quand même plein d'autres cruiserweight, genre il y a Mustafa Ali, il y a Noam Dar, plusieurs gars comme ça. Mais... la prochaine fois. Après Battleground. Je vais dire à la fin, c'est ça. Ok. Je sais pas si c'était, hein. C'est pas forcément. Oh mais... il recommence. Jack Gallagher, troisième corde. Wait for the elbow. Il y a beaucoup de wouh, hein. Voilà, j'en ai pas charme. Attends, là j'ai... TJP, deuxième corde. Je crois qu'il y a un finisher. Un coup spécial, deuxième corde TJP. Effectivement, le moonsault DDT contre par Jack Gallagher. Gentleman Jack. Attends, c'est TJP. Qui l'envoie dans l'autre coin. Et Gallagher avec un DDT. Alors que Aries et Neville depuis tout à l'heure dans en dehors du ring, j'allais dire Apple. Tu figures bien elle va être botte de Jack Gallagher. Oh. Retour en dehors. Et Gallagher, je serais toi, je reste très loin. Hein. Et du coup, TJP, il veut s'attaquer à lui, mais il sort du ring. Alors il veut s'attaquer au King, et on dirait Jack. Non. C'est bon. Attention, attention. Oh là là. Oh, contre. Parce que son finisher est dans le coin, hein, Jack Gallagher, vous le savez bien. Oh! TJP avec le spinning heel kick. Austin de retour dans le ring. Attention, Hurricane Runner. At this point, I don't think I like his chances of winning this four-way match.
Oh, Navon. Navon. Watch out. What for the red arrow. As TJP is down at Jack qui saigne. Captain Jack qui saigne. Austin, troisième card. Austin qui contre. Oh là 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 là. Crucifix. Watch out. Oh, il se dégage des crucifix. Few superstars are as dominant as this guy. Somehow, he's kicked it into another gear here tonight. Yo, brainbuster de TJP. Austin Air is down. Oh, scoop slam. Neville. SKO now. C'est Captain Jack et TJP. Attention, TJP. Et voilà. Le kick. Je sais pas comment s'appelle son finisher parce que je regarde pas trop les cruiserweight. C'est fini. TJP va voir Rich Swann. TJP va voir Rich Swann à Battleground. Ouais, son kick. So many different ways, but in the end, only one of these competitors had what it truly takes to be the alpha. What a great match we just saw here on. Tant qu'ils ajoutent les John Cena Sox Chats l'année prochaine. John Cena Sox. Ça bien There he is, King John Cena. John Cena. It's all about hustle, loyalty and respect with John Cena. His time. Bon voilà, je lui ai fait son entrée. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Je suis pas sûr. Vous avez déjà vu son entrée à Braun Strowman. Que je lui ai faite. Très bien, au niveau de la batterie faible.
Manitoba, Canada, weighing in at 226 pounds, Chris Jericho! Listen to this crowd. No one gets a reception like Y2J. Jericho. His way to the ring with the backing of all his and from Bulgaria, weighing in at 304 pounds, Rusev. As we get ready for this match, I'd like to remind everyone that you can now get your copy of WWE 2K at retailers or Et du coup, c'est parti pour cette bataille royale. Oh, bien sûr, Rousseff directement sur John Cena. Et Zack Ryder cherche à éliminer Braun Strowman, mais ce n'est pas possible, hein, bien évidemment. Vous en doutez. Braun Strowman ne va pas se laisser faire comme ça. Et la suplex de John Cena. Oh, à la droite de Braun Strowman. Alors Ziggler, il avait déjà fait la bataille royale. Autant pour Zack Ryder, pour aller à Money in the Bank. Jericho aussi, je crois. Ouais, Jericho aussi l'avait fait, Rousseff. Rousseff, il l'avait fait pas. Je suis pas sûr pour Rousseff, mais ouais, je sais. Il y en a déjà 3 qui l'ont fait, peut-être 4 du coup. Braun Strowman aussi. Ouais, Braun Strowman aussi, je crois. John Cena, je suis sûr qu'il a pas. Bon, attention, John Cena presque éliminé d'abord. John Cena qui reste de justesse. Rousseff qui cherche à se faire éliminer par John Cena. Oh, attention, John Cena élimine. Non, ah, j'ai cru. Il cherche encore à éliminer Rousseff qui tient bon, hein, et tient bon Rousseff. Attention, là, mec, t'as juste à le. Si tu fais ça, en vrai, t'as juste à le foutre par-dessus la corde. Sérieux. Et en vrai, il va avoir des coups réduits, genre comme ça, un gorille à presse. Oh, Zack Ryder ennemi. Un gorille à presse, tu le tiens. Dans le jeu, ça détecte que quand il l'a et qu'il a pas contré, tu te fais balancer, quoi. À la limite, t'as l'opportunité d'appuyer sur un des tous les boutons de la PS4 pour te tenir aux cordes. Ouais, c'est tout. T'as deux chances de contrer, plus la chance de tenir aux cordes. Serait pas mal comme une souplesse, genre une German souplex par dessus les cordes, imaginez quoi. Mais si t'appuies sur le bouton là avec tes pieds quoi, ou alors tu t'arrives à marcher sur tes mains. Non, c'est Braun Strowman, serait pas réaliste. Mais... oh, est-ce qu'il se mettrait pas à deux? Non, Ziggler qui essaie d'éliminer Jericho, ou celle qui essaie d'éliminer Cena. Cena reste. Oh, Jericho éliminé. Jericho éliminé. Jericho n'aura pas chance, sa chance pour le Intercontinental Championship. Oh, Strowman qui balance John Cena. Et moi je pense que Strowman a sa chance. Oh, Strowman, attention, il est prêt pour le Yokusa Cutter Cena. Attention, Cena qui essaie d'éliminer Strowman. Et Rousseff, pourtant je vois pas trop. Il est champion, Strowman qui reste.
Cena, je le vois très bien, parce que à chaque fois, sur 2K16, c'était lui, il retenait le titre tout le temps et tout. Rousseff, c'est parce que en fait, il va mieux avec le US Championship. Rousseff, je le vois pas avec un titre comme ça, quoi. Ziggler, bon, bien sûr, c'est normal. Cena, attention, Braun Strowman qui essaie d'éliminer Cena, non. Ziggler essaie d'être éliminé par Rousseff, il reste dedans. Enfin, Ziggler essaie pas d'être éliminé, justement, c'est un petit peu con. Ah non, c'est Rousseff qui essaie d'être éliminé. C'est Ziggler qui essaie d'éliminer Rousseff, ça a plus de ce sens. Rousseff, pareil qui reste. Parce que Strowman, hein, qui fait des trucs bizarres. Ziggler, attention la souplex. Pour l'instant, il n'y a que deux gars éliminés, hein, Jericho et Ryder, mais pour l'instant, pas trop d'autres choses. D'abord, ils ont un petit peu la même coupe de cheveux, je trouve. Un petit peu en piquerette, un petit peu. Attention, Cena sur l'apron. Strowman. Et Ziggler dans les cordes. Rousseff dans Ziggler reste. Cena reste. Et maintenant, attention, Strowman sous les cordes. Il est passé par-dessus la troisième corde, donc ça marcherait toujours. Cena, non, Strowman qui résiste. Hein. Strowman, il résiste très bien. De même pour Cena. Et encore. Attention. Non. Maintenant, c'est Rousseff. Qui est sous les cordes. Cena. Cena. Non, Rousseff, il va tenir bon. Il va tenir bon, Rousseff. Oh, Ziggler, attention. Super kick. Wow, Rousseff éliminé. On l'a pas trop bien vu, hein, parce que ça... Enfin, il y avait les deux autres devant. Un finisher Royal Rumble, hein, ça fait mal. T'as pas de chance. Enfin, t'as eu de chance de contrer, mais c'est chaud. Sans dur à contrer, Royal Rumble finisher. Strowman, Ziggler, Cena. Il y avait deux qui étaient originaires de SmackDown. Qui va aller affronter Apollo Crews? À Battleground. Cena qui contre. Oh, attention, on va faire le DDT. Seth, it's a reverse DDT neckbreaker. Attention, no. Stunner neckbreaker de Ziggler qui lui monte à la troisième corde. Ziggler, elbow drop. Et la souplesse de Cena. Et à tout d'un coup, les fans sont contents. Et attention, Cena, il est peut-être prêt pour un petit gut wrench slam. Effectivement, gut wrench slam de Cena. Cena in trouble. Oh, what about reversal? Et encore Ziggler avec ce truc. Non, Cena qui contre. Ce serait pas son finisher qui est contré, Cena d'abord. Oh, backbreaker de Braun Strowman face à John Cena. Oh, Cena stuck. No. Oh, Ziggler essaie d'éliminer Cena dans le coin. Cena qui s'en sort bien pour l'instant. Strowman et Cena qui s'en sortent vraiment bien. Même Ziggler, hein. Enfin, de toute façon, c'est les trois qui restent.
C'est les trois qui méritent le plus d'être là encore. Ça fait déjà longtemps que Rousseff a été éliminé. Ouais, for the famous sir. Powerbomb. Oh, attention. Choke slam, Ziggler eliminated. Oh, Cena qui l'a envoyé par-dessus la troisième corde. Attention, Strowman qui s'est fait piéger. Strowman. Strowman, attention. Est-ce qu'il va tenir bon? Oui, il tient bon. Mais le choke slam là qui a foutu Ziggler vraiment très très mal. Très très mal. Est-ce que Cena va tenir bon? Non. Cena a éliminé Strowman. Ah, j'ai oublié de faire sa victoire. Et Strowman qui va battre. Alors, on va super kick. Hein. Dans l'autre angle de vue, comme ça, c'était mieux. Et Strowman qui va aller voir, rendre visite à Apollo Crews. À Battleground pour son titre intercontinental. Et du coup, moi, je vous retrouve pour le main event. And the crowd here tonight still in awe over that great match. C'est parti pour le mini event, les gars. Étant donné qu'il a battu Sami Zayn hein. La semaine dernière, il a toujours sa tenue avec les gants et tout. Les fans sont contents de voir Brock Lesnar aller donc. Peut-être parce qu'il vient tellement pas souvent qu'ils sont contents de le voir. Hein. Enfin moi en vrai je le mets tout le temps dans mes shows. Moi, pour moi, quand t'es champion, t'es tout le temps dans un show. Bon, là, Apollo Crews, d'accord. Mais quand t'es champion, t'es la plupart du temps dans un show. Par exemple, Brock Lesnar, c'est un part-timer. En vrai, il devrait être plus souvent dans les shows. Je sais pas s'il était à Raw aujourd'hui, c'est même pas fini d'abord. Hein. Alors, bon, Lesnar, je le mets dans tous mes shows. À part celui de la semaine dernière où c'était. Je sais plus quoi. C'était quoi son dernière? Le shake-up. Voilà, c'est juste ça, tu vois. Juste à cause du shake-up, il était pas dans le show. Mais il est souvent, mais les fans l'adorent, franchement. Même sur une superstar où je mets soutien et tout, ils l'aiment pas autant que ça. Hein. Ouais, mais là c'est. Ouais, écoutez cette foule de folie. Atlanta, c'est génial. C'est génial à Atlanta. Mais moi, devinez qui j'ai pris. Bien sûr. Alors son chapeau était tombé de base à JBL. Alors voilà, avant que Snar on prend un game de stick. Ça vous fait quoi?
cours vers Samoa. Oh, l'après où Joe avec le kendo stick sur Brock Lesnar. Et... Lesnar à terre. As the action continues, let's discuss Samoa Joe briefly. Here we go in this triple threat match. What can he do to get the best of the other two superstars in there? Gotta have that head on swivel here tonight. You never know where the attack might be coming from. Oh, il m'a encore contré. Man, when you have so much talent in the ring at the same time, it's hard for me to single out just one name. They're all superstars in the truest sense of the word. Oh, Lesnar. Oh, went for the German. Joe Samoan drop. Ah, c'est Lesnar qui a avoir premier. C'est souvent. Triple threat, c'est plus facile à perdre, les gars. Oh, attention, Lesnar avec les coups de pied. Oh, Lesnar avec le kendo. Kevin Owens being put to the test. Looks to me like he's starting to feel the pressure, guys. Hey, it's not ballet. Welcome to Suplex City, Kevin. Oh, pour bombe là comme ça. Et Joe avec le running STO. Et tout le monde a déjà été KO. Avec un petit cross armbar là. Je veux dire cross armbar, c'est plus un armbar. Enfin, je sais pas, il a dit armbar. Il a dit que c'est un armbar. Mais... Ah, mais lui aussi il me contre. Oh la blague pour lui là. Allez, réveille-toi. Oh, German Suplex. Lui il a pu en placer une. Et nous on y va avec la Suplex même. Tu viens de te prendre une German Suplex, c'est ça? Ah bah tu t'en prendras pas une deuxième. Oh si, la voilà. Oh non, il a encore contre eux, mais c'est une blague. Une contre mes German Suplex. À fond. Et Joe avec le forearm. Par contre, à chaque fois qu'ils arrivent, ils les empêchent et on va se bloquer un peu. Oh. Moi j'ai une idée, si on sortait une échelle et qu'on sautait. Ah non non non, commence pas. Bah en fait il dit armbar à tout, hein, donc l'autre doit être un cross armbar. Oh, Joe par-dessus la corde. Oh attention, Owens, single leg, Boston Crab. Oh Owens, attention, pop up power bomb. Oh wow, Joe kicks out. Samoa Joe really seems to have picked up some steam. Oh, attention! One! I'm afraid you're right. Suplex City! Two! Someplace nobody wants to go! Et la troisième! Oh, genre! Extra slow getting back. Comme si j'avais pas appuyé. What the freak? Oh wow, il est contre moi à Spy, les gars. Comme. Oh non, 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 oui, oui, oui. Oh non.
Relève-toi, Brock. Oh non. Owens, Owens. Oh, un violent. German suplex. German suplex. Oh, Joe. Dégagez. How much damage did that do? A lot, yeah. From the looks of it. From what we've seen and heard tonight. Ouf, ouf, ouf. Oh non, 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 mec, relève-toi, Lesnar. Il a un pop-up. Pop-up bloqué. C'est bon, c'est bon, il me laisse le temps, il me laisse le temps, il est gentil, tu vois. Oh, il a contré, il a contré, il a contré. Oh non. Yes. I'm afraid you're right. Suplex City. That's some place nobody wants to go. Oh là là. Ah ça, j'ai juste un coup normal maintenant. T'aurais dû me laisser faire l'Europe. Smart strategy there. Oh, Kevin. Vous êtes prêts pour la power bomb, les gars? Je vais prendre le temps. Attention! Oh là là! Power bomb sur l'apron! Et voici Samoa Joe. Oh! German suplex! On est toujours à Suplex City, les gars! On y est toujours! Oh! Oh le Eric! Oh là, Eric, attention, Joe! Power bomb! Et Kevin Owens! Et Kevin Owens qui le tente! Tranquillement, la German suplex! Non, c'est la Triple Dragon suplex! Et il peut gagner, les gars, il peut gagner! Oh là! Bon, c'est fini! Non, il se dégage. Kevin Owens se dégage. Ah non. Eh ben c'est la German. Et voici la German. Et la boost. Wanna take a little trip? Yep. Alors Joe. Alors Joe. F5. Oh. Kick out by Joe. Belly to belly. Wow, c'est dégagé. Du F5, alors que ça suffit pas pour battre un Kevin Owens. Quel homme. Et ça m'aurait joué aujourd'hui. Ça se passera pas comme ça, mec. Oh, oh, attention.
Ah non, je vais pas prendre une échelle. Oh non. Regarde. Oh. Oh là là. Something like that, you know your opponent smells. Oh, right up the skull! Oh my god! When this guy's on, ça les gars, je peux vous dire que ça fait mal. I don't know how much longer he's gonna be able to go. This guy's an absolute beast, kid. What you got in mind here? Powerbomb! He's not done yet. Oh, he's not! Powerbomb! C'est en retard, mec. Qu'est-ce qu'il fait? Soit KO, ça m'arrange. Ouais. Oh mince. J'avais pas l'énergie pour faire mon finish. Oh. Oh non, mais non, mais c'est une blague. Ce match ne va donc jamais se terminer. Oh Joe! Oh là 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 là! Joe qui saigne! Oh laisse-le! Non, non! Non, Brock! Tu lui as cassé la jambe là! Oh là 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 là, je dégage. Oh Joe, Joe, Kohina clutch. Owens, il est là, attends. Et moi, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas été KO, mais. Putain, j'ai pas été Kevin Owens, on peut dire. Et là, je peux pas l'être pour l'instant vu que ça m'a joué KO. C'est génial. Hein. Attention. Une fois qu'il est mon clutch. What if Brock actually tapped out? Oh mais c'est pas possible, ils arrêtent pas de me contrer mes coups de chaise. Et je saigne. Lesnar, il saigne souvent en tout cas. Sérieux. J'ai besoin de cette chaise. J'ai besoin de cette chaise. Mais prends la chaise. Boy, he is really tired now. That tank of his has to be reading empty. It has to be tank. But I still don't see. Et c'est reparti. Suddenly, he's in control. Look how slow he is to recover here. That was some serious punch. Allez. F5. He's going for the pin. Oh mais non.
Mais ce match ne va jamais se terminer. Oh là 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 là, les German suplex enchaînés par cet homme. J'ai eu peur. Alors les gars, je peux, je vous avoue que j'ai eu peur. Oh ouais, attention. Papa powerbomb. Sortez du ring. Et Lesnar qui va voler la victoire. Lesnar qui vole la victoire. Lesnar qui vole la victoire à Kevin Owens. Re-regardez ça les gars. Faut regarder, faut re-regarder ça. Il faut revoir ça. Regarde, regarde. Bien, nous on s'échappe. Et là, le petit pop-up powerbomb fait tomber mais on le casse. On sort Owens du ring. Alors ça, ça va faire les mauvaises histoires. On fait le tomber et l'arbitre compte 1, 2, 3 et on vole la victoire. Là, ça s'appelle... Ça, c'est une... Ça, un vol. Ça, c'est un victoire. Par un roll-up. Non, here is your winner, the WWE Universal Champion. Lesnar. Ouais, ça, faut dire qu'il a son titre, tu vois. Et Brock Lesnar qui remporte ce main event. Il était long, ce main event, il était long, mais il était beau. C'était un très 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 beau main event. Tout le monde se dégageait d'un finisher sur Brock Lesnar. Et du coup, moi je vous dis, j'espère que vous avez aimé, et moi je vous dis, un an deux jours pour SmackDown Live. Allez, bye bye.